La réforme fiscale 17 est très importante pour l'économie suisse et il ne faut pas bien sûr la faire passer à n'importe quel prix, mais le compromis qui se dessine pour avoir une majorité devant le peuple s'il y a votation, c'est-à-dire que les partis bourgeois mais aussi les partis de gauche soutiennent cette réforme, c'est un compromis qui fait intervenir une partie de la réforme nécessaire de l'AVS. Et je pense que nous devons soutenir cette réforme dans la forme actuelle, comme le Conseil des États l'a proposé, en couplant une partie de la réforme AVS et la réforme fiscale 17. Toutes les entreprises sont concernées par la réforme fiscale 17. Bien sûr, les entreprises actives dans le commerce, elles verront leur imposition diminuer. C'est le compromis qui est trouvé. Les entreprises qui étaient favorisées, comme les multinationales, par des accords spéciaux, verront leur fiscalité augmenter. Et les PME, la plupart des entreprises qui sont actives dans le commerce sont des PME, verront leur fiscalité diminuer. Donc oui, elles seront favorisées.